Bonjour et bienvenue au centre d'Envaux des Restos du Cœur à Châteauroux. Aujourd'hui, plusieurs associations sont venues se réunir pour faire de la prévention santé auprès des personnes accueillies. Je m'appelle Corinne Bordin-Lerpinière, je suis conseillère socio-éducative et je suis la responsable du contrat local de santé pour la ville de Châteauroux. Et depuis une dizaine d'années, on a créé un lien avec les Restos du Cœur. Donc ensemble, on a mis en place des rendez-vous santé. L'idée étant d'aller au plus près des hommes et des femmes qui viennent au Resto des Cœurs pour expliquer comment se faire dépister. Donc aujourd'hui, on est là parce qu'on veut donner accès à tous les publics et du coup venir ici c'est important parce que c'est des personnes qui souvent n'ont pas de médecin généraliste et puis informer un maximum pour qu'ils puissent être sensibilisés à ces dépistages. Alors moi je viens parler de prévention pour les dépistages organisés des cancers. Donc on a le cancer colorectal, on a le dépistage du cancer du sein qui s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans et le dépistage du cancer du col de l'utérus pour les femmes de 25 à 65 ans. 1,26 g de sucre dans le sang. C'est un résultat cohérent non, par rapport à votre heure de repas. Voilà, c'est une sensibilisation. Après, éventuellement, les diététiciennes donnent des conseils pour aller voir un médecin ou un spécialiste. Donc, on va un petit peu les voir pour leur expliquer. Vous voyez bien, au Resto du Cœur, les personnes accueillies peuvent aussi s'occuper de leur santé, peuvent aussi se faire dépister. On se retrouve bientôt.